J'aime trop mon sapin, j'en ai fait 1m50 et je l'ai eu, je l'ai acheté à Bricolex pour seulement 12,50 € je crois. Et genre il fait littéralement ma taille, lol. Et voilà, j'ai hâte de voir le rendu. Mais vas-y, avoue, il est trop beau, genre je suis trop contente, genre juste pour 12 balles, genre il est super grand et tout, genre. Genre, il fait 1m50, mais vas-y, il fait ma taille. J'aime trop, je valide. Genre, je vais trop accrocher des trucs. Genre, mes guirlandes et tout, genre sur les murs et tout. Là, je vais mettre mes guirlandes, je suis trop hâte. Du coup, j'en ai eu pour 13,10 € chez Emma. Donc, du coup, j'ai acheté plusieurs petites, genre, guirlandes LED comme ça. Genre, c'était à 2 € chacune, mais genre, il y avait moins 30% sur tout Emma. J'ai acheté des sucres d'orge. Genre, je crois que j'en ai jamais goûté. Pour 3 €, j'ai acheté moins 30%, tout à moins 30%. Un grand Père Noël, genre il est grand quand même. Il est à 1,75, moins 30%, je sais pas combien ça fait. Un grand Père Noël en chocolat, j'adore! Et une grande étoile LED qui marche avec des piles. Celle-là, elle était à 5,50, moins 30%, je sais pas. Putain, je suis malade, je suis désolée. Je sais pas encore où est-ce que je vais. Oula, c'est seul chez moi, c'est pas grave, je vais essayer de l'accrocher en quelque part. Là, il y a une bouteille de mort subite juste à côté de mes parfums, plus une bouteille de vodka. Bon, pour tout ce qui est décoration du sapin, genre, alors j'ai acheté des boules de Noël. Alors, celles-là, genre, toutes les dorées et les rouges, elles viennent de chez Auchan. Ça aussi, genre, c'est des petites étoiles. Genre, je trouvais ça trop, trop mignon. Ça devait coûter un bal. Genre, j'ai essayé de faire un maquillage avec, où ça avait un peu du style Euphoria et tout. Et, genre, sinon, les disposer un peu sur mon bureau et tout. Oh putain, on me voit, coucou! Et les boules bleues et argentées, elles viennent de chez Primark. J'en ai eu pour 3,50 € pour genre 20 boules. Et celle-là, je me rappelle plus à combien elles étaient en vrai, mais genre, je les aime trop, genre dorées et tout, genre sur le sapin, ça va être trop mignon. Mais le seul truc, c'est que les boules de Primark, genre, elles ont le petit truc pour l'accrocher. Mais genre, ces boules-là, elles l'ont pas. Donc, du coup, il faudra que je trouve une ficelle pour les accrocher au sapin, quoi. Et bien, sur un chapeau Noël que j'ai payé. 1 € chez Auchan aussi, je crois. Ouais, chance de regarder la vidéo McFly et Carlito. Et sinon, j'ai acheté des sucres d'orge chez Emma. En fait, je voulais trop goûter. Parce qu'en plus, c'est mon premier Noël en France. Quoi. Enfin, c'est mon premier Noël toute seule en France, quoi. Et genre, je voulais trop goûter, quoi. Et en fait, c'est dégueulasse. Mais bon, j'ai payé ça 3 boules. Sinon, j'ai acheté des guirlandes. Celle-là, je crois qu'elle vient de chez Primark ou pas. J'ai acheté bon, des guirlandes rouges, dorées, argentées. Je crois que c'est tout. Genre, le bac de guirlandes chez Emma, je crois qu'il est à 1 € pour des guirlandes. Et là, chez Auchan, j'ai trouvé une guirlande à 1 €. Du coup, j'en ai acheté. Je crois qu'il n'y a que ça dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est des guirlandes et des sucres d'orge pour que je les accroche sur le sapin. Putain, c'est trop hâte. En fait. Pour ce Noël-là, je voulais faire un thème entièrement rouge, vert et doré. Mais je crois que chez Primark, il n'y avait que des guirlandes argentées. Genre, on n'avait pas de doré. Donc, je me suis dit, vas-y, elles sont pas chères. Donc, j'achète l'argenté quand même. Et peu importe, même si je les mets pas ou je les mets ailleurs. Donc, du coup, finalement, en plus, j'ai des boules bleues alors que je voulais que du rouge et du doré. Donc, je me suis dit, bah, écoute, ce sera un Noël multicolore. Donc, du coup, ce sera argenté, doré, rouge, bleu et vert. Il y aura même du rose vu que j'ai accroché les sucres d'orge au sapin aussi. Donc. Écoutez, oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça brille, oh j'adore. Du coup, j'avais déjà accroché toutes mes guirlandes là, mais finalement j'ai voulu en racheter. Donc du coup, je suis retournée chez Emma. Donc du coup, j'en ai racheté pour aller mettre sûrement dans mon sapin et peut-être là, ou peut-être genre sur mon bureau. Du coup, j'en ai racheté 3 packs. Ouais. J'ai acheté des piles aussi chez Emma parce que bon, ça marche avec des piles, vas-y. Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté un cadeau pour moi-même parce que nique sa mère. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai aussi. Oh, on m'a donné un échantillon. Cool. Et j'ai acheté parce que je suis une Yankee. Ce truc-là coûte 5 €. C'est juste une feuille. Genre, juste une feuille. Juste un masque, ça coûte 5 boules, mais je les adore. Et voilà. Genre le rose gold. J'ai déjà le doré. Il est génial le doré. Il marche super bien. Et sinon j'ai le blue mask.
Celui-là, il est tonifiant, donc du coup, je vais pas le mettre ce soir, mais ouais, j'ai acheté celui-là pour ce soir, donc super réconfortant, blablabla, nourrissant, bref, je suis niancli. Mais je les adore. Genre, honnêtement, ce sont les masques, ils sont super chers, mais ce sont eux qui marchent le mieux, je trouve. Même mieux que ceux de Lush. Genre, je suis choquée. Voilà, bon allez, faut que je commence à le décorer, lui, oui, hop. Allez, hop. Putain, il est plus grand que moi, mon sapin, vas-y. Mais vas-y, je kiffe trop. Genre, ça fait trop cosy et tout. Et genre, juste des petites LED à genre deux boules de chez Emma. Genre, j'aime trop genre le rendu que ça fait. Oh mon dieu, c'est trop chou et tout. Ça éclaire ma petite tour Eiffel achetée à des pack 10 euros. J'aime trop, genre, juste là où il y a mon rangement soin et tout. Genre. Le seul truc c'est qu'il y a là genre avec les piles où ça gâche un peu, mais vas-y, j'aime trop, c'est trop cute. Je vais essayer peut-être d'en mettre une là, je vais essayer de pas exagérer, parce que de toute façon le reste on s'en fout, mais je trouve ça trop cute. Bien sûr, juste à côté, il y a mon petit calendrier de l'Avent Lint. Bien sûr, juste à côté, il y a mon petit calendrier de l'Avent Lint. Je voulais le Kinder, mais je ne l'ai pas trouvé. Le pull, ce pull là, 90 euros. Puis le petit biscuit, et je me permets de le salir avec du chocolat. Yankly! Déjà, le sapin il a pas mal avancé. Genre, il est pas fameux, mais il a pas mal avancé. Mais, genre, le truc c'est que ces boules là, genre, il n'y a pas de fil. Genre, les boules que j'ai achetées chez Auchan. Parce que les boules de chez Primark, elles avaient déjà des fils. Donc, du coup, je vais prendre ce pull là. Ma jolie bouteille de vin Very Pump. Donc, je vais prendre du coup ce fil là doré que j'ai acheté chez. J'ai oublié le nom, mais c'est un truc. Scandinave, je crois que c'est Sostren et Grene, je sais plus trop quoi. Donc du coup, j'ai juste le couper et venir le mettre au ciseau. Au boule.
il est 2h15 du matin, genre la décoration le soir, ça donne un peu ça, genre je rajoute les petites LED lumineuses au sapin. Là, il y a la Riviera d'Anastasia, genre j'aime trop, genre juste là, il y a encore des LED. Et là, bon, pour le moment, j'ai mis des toiles sur le sac Victoria's Secret. Là, il y a des LED avec tous mes parfums et tout, mes crèmes et tout. Et genre, il y a des LED qui pendent et tout, genre sur la petite télé que j'utilise jamais, j'ai mis un petit chapeau Noël. Voilà. Et bon, là, il y a ma bouteille de vin. Bref, on abandonne. Et ma poêle qui est sale, c'est pas grave. Mon calendrier de l'Avent. Vas-y. J'aime trop, genre, ça fait un peu cosy en vrai. Genre, j'aime bien, genre. Attends, je m'avais pris de ma porte d'entrée. Genre, je m'avais pris de ma porte d'entrée, genre, ça donne ça, genre. Je sais pas, je kiffe. Genre, c'est pas compliqué, genre, c'est simple, mais. Je sais pas, ça me donne un peu des magies de Noël et tout, donc. Voilà!